peace. You've had enough. J'aimerais bien que l'enquête soit réouverte et que soit fouillé un peu plus en profondeur ce qui s'est passé. Weil ich nicht damit einverstanden bin, dass Regierungen uns belügen und die Medien uns belügen und wir dem ganzen Glauben schenken sollen, ohne dass wir die Wahrheit dahinter erfahren. Il y a beaucoup de mensonges. Mon esprit critique, lorsque j'observe les événements, eh bien, les explications qui sont données ne me conviennent pas. I just want to know the truth. At least some answers on so many questions, because this is very, very important. Was it the plane that hit the Pentagon, or was it something else? That is not even the question. The question is, how is it possible that 19 cavemen from Afghanistan just captured some airplanes and just bypassed the whole military system that day, specifically that day in the United States? It's really unbelievable. I believe that there's more than government tells us. And I believe that we're being fooled by mass media. Il suffit de regarder un petit peu les images, il suffit de s'informer. D'aller sur des sites internet et de sortir de la presse traditionnelle pour se rendre compte qu'on nous ment. Il y a une histoire, c'est les 19 terroristes kamikazes qui sont à l'origine du 11 septembre et point à la ligne. Il y a le grand méchant Ben Laden qui est responsable de tout le terrorisme international et on n'en sort pas. C'est un mythe. C'est une nouvelle religion. Man hat den Hass gegen die Araber, gegen den Islam geschürt und die Kriege gerechtfertigt, die Amerikaner, genauer gesagt Bush, Cheney, Rumsfeld und seine ganzen Helfershelfer haben die ganze Geschichte inszeniert. No, es mentira. No, pero van en busca del petróleo y otros intereses que no cuentan por no. They want control. They want to control the planet. They want a one world government, a new world order, you know, all the stuff. Et j'ai vécu aux États-Unis pendant 28-30 ans et je reviens en Europe parce que j'ai vu ce qui s'est passé chez les Américains et pour le peuple américain. Ils sont devenus otages depuis une vingtaine d'années. D'un cercle de gens qui les ont détruits physiquement, spirituellement et intellectuellement. Et on est en train de faire la même chose en Europe. C'est pour ça que ce qui se passe, c'est absolument important de prendre conscience et de se réveiller. Man kann nicht einfach nur zusehen und schweigen, das geht nicht. Dann verliert man seine Achtung vor sich und vor den Menschen. I think you should start with yourself. If you ask yourself, why is the world corrupt? And ask yourself, in what way am I, myself as a person, contributing to that corruption? By my way of living, see? And start with yourself. Don't blame someone else. Il s'agit quand même de la personne, de l'être humain, de son respect, du respect de sa liberté.